Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Et comme je suis en train de vous montrer sur l'écran, donc un petit gameplay par contre sur PS3 avec la vue à la première personne. J'ai voulu tester tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a été énormément demandé à propos de cette fameuse série que j'en parle énormément à propos de GTA 6 au niveau des codes. Alors, si on regarde vraiment, on va dire, moi je me suis concentré sur plusieurs jeux, bien évidemment GTA 5. GTA 4 aussi, et aussi San Andreas ainsi que Vice City. Pour moi, c'est vraiment les jeux qui m'ont, on va dire, le plus marqué. Même si je trouve que ça commence vraiment à partir de GTA 3, bon, on va vraiment se baser là-dessus. Et quand on remarque, je vais vous faire quand même afficher quelques images sur l'écran pour vraiment enfin voilà, qu'on comprenne un peu les choses, la situation. Première chose, c'est, je trouve ça énormément dommage que dans GTA V, on n'a pas la possibilité d'enregistrer les codes dans son smartphone. Voilà, ça c'est, je trouve ça très dommage, et j'espère en tout cas que dans ce futur GTA, parce que comme je vous l'ai dit, d'ailleurs je pense vous mettre aussi une image sur l'écran où le directeur de Rockstar North, donc Leslie Benzies, commence en fait à parler à peu près à propos, eh bien, tout simplement de GTA 6, et eh bien, en gros, en quelque sorte, il a avoué comme quoi déjà il y avait une préparation et tout. Alors, ouais, donc il y a cette petite chose que je trouve ça assez dommage, et que j'espère qu'ils auront cette idée-là, cette grosse idée, eh bien, d'instaurer et d'avoir la possibilité de sauvegarder en fait. Eh bien, ses mots de passe, enfin ses codes triche plutôt, eh bien, dans son smartphone, comme ça on peut le ressortir tout le temps. Parce que qui dans GTA 5, utilise toujours là maintenant les mots de passe? Alors, je sais pas, parce que même moi, limite, je m'en rappelais plus parce que c'était tellement peu intéressant. T'avais le truc être limite immortel pendant 5 minutes, t'avais quelques véhicules, je crois, la comète, des petits trucs comme ça, la météo, encore la météo, je trouve ça décevant. Parce que si on regarde le code triche de la météo sur GTA 5, il faut à chaque fois refaire le code pour mettre la météo que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité, comme dans Vice City ou San Andreas, je crois, la possibilité de faire un code précis. Ici, par exemple, pour qu'il pleuve, et ben non, en fait, faut faire tout le temps le même code pour attendre. Bah, il y aura ensoleillé, après il y aura nuageux, après il va pleuvoir. Donc, faut faire limite 3 fois le même code pour avoir ce que vous voulez vraiment. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir. Enfin, je trouve que ça a régressé. Ça, voilà, on a encore moins de mots de passe, enfin de code, et surtout des codes vachement moins intéressants. Par exemple, dans San Andreas, si je dis pas de bêtises, il y avait tempête de sable, il y avait même le Hydra. Non, mais imaginez, là, on a le Hydra dans GTA 5. On peut même, enfin bon, après c'est vrai que c'est que dans le mode multijoueur, donc bon, et on le retrouve pas dans le mode solo, donc peut-être tu peux pas, enfin voilà, mais vraiment mettre des codes beaucoup plus intéressants, comme je me rappelle dans Vice City où les passants devenaient fous, je crois, ils pouvaient aussi avoir des armes, des trucs comme ça. Faut vraiment qu'ils rentrent dans ce délire là pour ce futur GTA, j'espère honnêtement, parce que normalement ce GTA, alors apparemment devrait recueillir plusieurs maps. Alors c'est pas sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, le directeur de Rockstar North, donc Leslie Benzies, avait parlé que pour lui ça serait même une chose prioritaire d'avoir un GTA où ils vont rassembler toutes les grosses maps, donc Vice City, en gros ça sera Miami, Los Angeles, etc, etc. Et ça, je trouve que ça peut être une très très bonne idée d'instaurer en fait finalement tous les maps qu'on a adoré et de le mettre dans une seule carte, dans un seul jeu. Et ça peut être une très bonne chose. Mais voilà, juste pour vous dire en fait que, et d'ailleurs cette vidéo je vais l'envoyer, mais je trouve que, j'espère que vous serez d'accord avec moi au niveau de cet avis là, de cette idée, c'est vraiment d'instaurer un peu la folie, par exemple dans San Andreas ou dans Vice City, même si ça paraît pas quelque chose de réel, enfin voilà, on n'est pas, nous on a envie de s'amuser, on n'a pas forcément envie juste d'avoir une comète ou de taper 5 fois le même code pour avoir la météo et de ne pas avoir aussi la possibilité. C'était une très bonne idée ça dans GTA 4, et bien d'enregistrer et bien les codes, ça t'évite de retaper et tout, comme ça tu ressors vite fait ton bigot et hop hop tu mets tes codes et tout et t'es tranquille. Et surtout que là je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui ont été offerts tout simplement dans ce jeu là comparé par exemple ici avec San Andreas où on peut même faire apparaître un quad ou des trucs comme ça. Vice City, si je m'en rappelle bien,
Déjà même au niveau des armes, c'est-à-dire que dans Vice City, je crois, je sais pas si dans GTA 5, je m'en rappelle même pas, parce que dans GTA 5, j'ai même pas vraiment utilisé les codes triche, parce que c'était pas quelque chose, voilà, j'étais un peu déçu. Mais dans Vice City, par exemple, t'avais arme numéro 1, arme numéro 2. En fait, t'avais plusieurs catégories d'armes que tu pouvais te mettre en fait sur le perso, et comme ça, t'avais vraiment la possibilité, voilà, d'avoir plein de différentes armes. Et je crois que dans GTA 5, si je dis pas de bêtises, on a la possibilité d'avoir juste un pack d'armes en fait, ou voilà, je crois que c'est juste un code triche qui te permet d'avoir des armes, et je sais pas du tout si c'est aléatoire, si on a toujours les mêmes armes ou si ça change, ça vérifie, mais normalement non, parce que je crois obtenir des armes, normalement c'est juste un seul code, après je sais pas du tout si c'est aléatoire, voilà. Bah, surtout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, vraiment de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, parce que je me pose quelques questions, et j'espère vraiment que, eh bien, qu'ils vont développer ce jeu là avec, on va dire, déjà la possibilité d'enregistrer les codes triche, mais surtout en fait, on va dire de réinstaller, enfin de voilà, de remettre un peu ces délires là qu'on avait trouvé auparavant et qu'on ne retrouve plus du tout. Enfin, même dans GTA 5, balles qui explosent, viseau ralenti. Là, je suis en train de lire sur GTA 5, mais ça m'intéresse même pas. En fait, je connaissais même pas les codes et c'était vraiment des trucs, tu vois, qui ouais, ça me voilà. Sans plus, alors que dans les anciens GTA, c'était quelque chose d'autre, quoi. C'était un autre monde. Voilà, mais surtout les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.